Étape de Tirreno Adriatico et aujourd'hui l'échappée a failli le faire. Il a manqué à peine 100 mètres pour Jonas Abrahamsson avec un peloton qui se regardait tout simplement parce qu'il n'y avait plus grand monde pour rouler parce que l'échappée a résisté extrêmement longtemps. Et Abrahamsson a failli le faire mais au final le sprint a été lancé par Pidcock puis Binyam Guirmay qui s'est fait ensuite déborder par Philipson. Et surtout par Jonathan Milan qui s'impose. Il faudra encore revoir le sprint de Guirmay parce qu'il sent encore le coude et c'est pas très propre. Et donc Milan, Philipson, très très bon. Cinquième Zinglé, huitième Julien Alaphilippe qui a tenté de participer au sprint. Mais quand le sprint s'est déclenché, il a eu quand même du mal à faire l'effort aujourd'hui. D'une étape où encore une fois, voilà, ça a roulé extrêmement fort. Et puis Corbin Strong qui prend la troisième place aujourd'hui, le coureur de Israël. Nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette étape. Allez, ciao, ciao!